Donc cette nouvelle vidéo pour les entorses, pour soulager les entorses ou une petite douleur articulaire par exemple. Donc ce qu'il vous faut, c'est en fait c'était utiliser en fait déjà au Moyen-Âge on va dire les guérisseurs etc. à l'époque ou dans les familles comme ils n'avaient pas la médecine d'aujourd'hui. En fait ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main, le chou par exemple. Donc sur un chou, je détache une feuille sur laquelle je vais avec un couteau couper les parties dures. Faire comme ça, hein, ça aussi, voilà. Après, donc il vous faut une planche, ce que vous voulez. Hein, après. Vous prenez un rouleau à pâtisserie, et vous allez venir écraser la feuille. Vous allez écraser la planche un peu mieux. Voilà. Vous l'écrasez bien pour qu'elle dégage en fait, parce que c'est bien antiseptique le chou. Donc, à part l'odeur, vous ne pouvez pas le garder 100 ans, mais pour le faire le soir avant de coucher, par exemple, vous allez venir mettre sur votre. Imaginons que vous avez mal à l'articulation, donc vous allez faire une espèce de cataplasme comme ça. Et par-dessus, vous allez mettre une bande et le garder toute la nuit. Et le matin, vous l'enlevez pour commencer l'opération. Si vous supportez dans la journée, sinon le lendemain soir, voilà, jusqu'à ce que ça aille mieux. Voilà une technique médiévale, plus que de grand-mère. Pour utiliser en fait au Moyen-Âge, puis encore dans nos campagnes, de nos jours, ça se fait encore. Voilà, donc avec le chou.